C'était l'un des rares députés à savoir dire oui quand sa famille politique disait non. À savoir dire non quand sa famille politique disait oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, au football, il y a des Messi, il y a des Ronaldo. Et je pense qu'au niveau du Parlement congolais, s'il faut dire Messi, mais si c'était Henri Moto, Thomas Lokondo. On a bateau Batikali, bateau Baningara Congo, bateau Balingi politique. Bah, que Kuluto Toto là. Azala qui politicien monene. Azalaki moto alingaki Congo, alingaki ba Congolais mingi, alingaki musala na ya politique mingi. Parce que ami pesa ki corps et âme. Na musala ba recherche, na ba intervention na ye, na contribution na ye, na participation na ye na o etali élaboration ami be ko na mboka. Asali mingi.
Je vais l'antenne. Le sentiment que nous pouvons exprimer aujourd'hui et depuis l'annonce de son décès, c'est un sentiment d'une grosse tristesse qui est due à la perte de ce grand homme d'État qui a su se faire démarquer par son éloquence, par ses prises de parole, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui s'est fait remarquer par son patriotisme, par son engagement pour l'État congolais et pour le peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes venus, le MLC et tout le peuple congolais, à travers tous les députés, se sont réunis pour rendre hommage à ce digne fils du pays qui a su travailler corps et âme et qui est un véritable exemple pour les générations qui viennent, donc pour nous qui sommes plus jeunes que lui. Donc le MLC, à travers le président Jean-Pierre Bemba, est venu rendre hommage aussi et encourager la famille, transmettre les sincères condoléances également à toute la classe des députés et sénateurs dont il faisait part. Aujourd'hui, donc, nous avons une grande tristesse, c'est une grande perte et j'espère que derrière lui, il y a des gens qui sont aussi forts et qui vont hériter de quelque chose, que ce soit un tout petit, de quelque chose qu'aura légué aux générations futures ou présentes l'honorable Thomas Lokondo. La classe politique actuelle peut imiter sans honte Henri Thomas. Il sait dire non, il n'est pas manipulable. Il n'est pas comme ces politiciens qui suivent l'argent, la corruption, avec les Français approximatifs, des voleurs, des détournés de deniers publics. Les gens qui défendent un individu, non. Henri Thomas, quel que soit le camp, il parlait de vérité. C'est un ami, nous avons été dans un même groupe parlementaire, par l'UCCU et allié, et nous avions beaucoup partagé. C'est un homme qui n'était pas enfermé dans les murailles de l'idéologie.
parlementaire, en tant que caucus du Grand Katanga, pour honorer notre frère, notre collègue, l'honorable Lokondo, qui est décédé en Afrique du Sud et dont le corps a été rapatrié. C'est une grande perte pour notre République en général, et on se devait de venir lui rendre un dernier hommage et saluer sa mémoire et soutenir sa famille. Je crois que notre pays lui doit bien ça. Et c'est notre devoir. Que pensez-vous de son idéologie politique après sa disparition? Ça va disparaître comme lui ou ça va persister? Non, je crois que son esprit va rester vivant. Et ses interventions qui ont toujours été impartiales au sein de l'Assemblée, au point qu'on ne savait même plus savoir s'il était de la majorité ou de l'opposition, tellement il était objectif dans ce qu'il disait. Et je crois que cette objectivité ne disparaîtra pas. Merci beaucoup. Ce n'est pas une idéologie, ces convictions vont persister. Le choix d'un grand Congo, ça va rester. Le choix d'une répartition sociale équitable, ça va rester. Et tant d'autres engagements qu'il a pris, ça va rester. Que pensez-vous maintenant de la méthode que le gouvernement peut utiliser pour commémorer ou baptiser une salle ou un endroit? C'est au gouvernement à envisager ça. C'est son boulot, ce n'est pas le mien. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et moi, l'endroit de la famille, nous sommes le cœur avec eux, c'est la même famille que la mienne. Merci. Je suis très attristé depuis le mercredi passé. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le départ sur l'autre côté de l'honorable Henri Thomas Lokondo. Vous savez, c'est ma première législature et Thomas Lokondo était un modèle. On était à la maison, on le suivait souvent sur la RTNC et on avait tous envie de ressembler à Henri Thomas Lokondo. Paix à son âme, nous qui restons aujourd'hui défendre les intérêts du peuple congolais, nous ferons en sorte de ressembler à M. Henri Thomas Lokondo honorable, lui qui était capable de dire oui quand les autres disaient non, non quand les autres disaient oui. Sincèrement, que Dieu accueille son âme en toute paix. Que pensez-vous de son idéologie politique après sa disparition? Ça va encore persister ou ça va disparaître comme lui? Mais comme je venais de le dire, c'était l'un des rares députés à savoir dire oui quand sa famille politique disait non, à savoir dire non quand sa famille politique disait oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, au football, il y a des Messi, il y a des Ronaldo. Et je pense qu'au niveau du Parlement congolais, s'il faut dire Messi, mais si c'était Henri Thomas Lokondo, c'était un grand pour nous. Paix à son âme. Merci voilà. Beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Alors, honorable, bon appétit, c'est un message na yo fort. Na ba ene na bino yo sur Vatican sikoyo. Nini basa la pona ko encadrer bino pamba te to ko banga ke lobby bozanga mutu ko 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 remplacer Henri Thomas Lokondo. Tozo senga na ba eli na biso nyonso au Vatican. Heureusement que Nzambe asala ka makambo pamba te. Acheli biso na chambre, président ya chambre doyen. Au moins, wana toza na consolation parce que en tant que doyen, souki ya pembe za mayele, je pense que a ko continuer ko encadrer biso ndenge papa Henri Thomas Lokondo abandaki ko encadrer biso. Pona ba misusu to sengi na bango biso nyonso to la nzela ya papa Henri Thomas Lokondo, je pense que to ko sale la peuple na ndenge esengeli. Merci beaucoup. Vous savez, c'est une grande tristesse pour la famille parlementaire. C'est une grande tristesse pour nous les jeunes parlementaires. Nous avons tenu à honorer notre vieux, notre papa Henri Thomas Lokondo aujourd'hui. Il nous disait toujours, chers amis, comme il avait l'habitude de nous appeler, ne prenez pas le pouvoir pour le pouvoir, mais prenez le pouvoir pour pouvoir. Ça, c'est une grande leçon que nous avons retenue de lui. Il était un protecteur pour nous. Dieu a décidé, on ne peut pas demander à Dieu le pourquoi. Vous savez, les hommes bons ne mettent jamais longtemps. Il en est le cas de papa Henri Thomas Lokondo qui vient de nous laisser. Au nom de tous les jeunes parlementaires de l'Assemblée nationale, nous prions au bon Dieu qu'il puisse recevoir son âme et que papa Henri Thomas Lokondo repose en paix. Tout le monde est mystique de parler du peuple, de présenter nos ascenseurs pour bien s'habiller. Merci. Moi, je par rapport à l'honorable Henri Thomas Lokondo. Vous avez un mawa. Vous avez un mawa, tout regretté. Parmi la tête du Congo, il faisait partie de cela. A Tchikibiso brusquement accueilli. Donc, tout le monde s'entendait que Koukoufa, mais Nzambe a décidé autrement. Donc, nous avons décidé que Nzambe a décidé que Nzambe a décidé que Nzambe a décidé que
pona bato batikali bato balingaka Congo bato balingi politique bayeba ke kuluto otokolela azalaki politicien monene azalaki moto alingaki Congo alingaki ba congolais mingi alingaki musala na ye ya politique mingi parce que ami pesa ki corps et âme na musala ba recherche na ba intervention na ye na contribution na ye la participation na ye na o etali élaboration ya mibeko pona mboka salimingi azo mérité kolelaye ndenge toye kolelaye azo mérité to honoré ndenge tozo honoré et na kosenga pe na bandeko bazana ba ambition politique po baza ba parlementaire mbako kwa kozoye comme ndakisa et kozala eloko moko ya malamu mingi pona école. Et Bélé Balobia Zaki, un homme avec un esprit ouvert. Yo personnellement, moi, témoin, je n'ai regardé à Honorable Henri Thomas Lokombo. Ma témoignage, je disais Bélé, parce que je travaille na ye pendant une session, je dis même au-delà d'une session, on a fait 7 ans ensemble. 7 ans de collaboration, donc on a eu à collaborer dans plusieurs matières. Donc il a eu à participer à ma conseil Bélé, après c'est personnellement ma conseil Bélé. Parce que tant que nous avons niveau parlement, nous avons un chaleur, nous avons une langue qui est. Et par rapport à l'étoile, nous avons un monde qui est une idéologie, nous avons un anglisme. Nous avons un monde qui est un peu écrit en anglais. Nous avons un peu écrit en anglais. Nous avons un peu écrit en anglais. Nous avons un donc c'est un grand frère pour moi. Donc nous avons un peu écrit en anglais. Nous avons un peu écrit en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Donc, ma conseil, c'est que Bélé et Bélé et Bélé et Bélé et a participé à une formation politique à Katinabiso, donc la jeune parlementaire. Donc, ma souvenir, c'est Bélé. Merci beaucoup. Hormis maintenant, je suis Henri Thomas Lokombo, je suis félicité sur Honoré Mbanda. Je suis là par rapport à la disparition de Honoré Mbanda. Le grand résistant, il est à Salé Moussala qui est au Pont de Colo, à Salé Veille Boko. Donc, on sait surtout que les diaspora, les Congolais ont une politique basée en esprit éveil. Ils ont une politique basée en plus intérêt général que intérêt personnel. Parce que en politique, si on a un intérêt personnel, on peut raisonner dans le boumou. Nous avons un peu. Mais il a contribué à l'état éveil, à l'état résistance contre l'occupation du Congo. Donc, vraiment, on doit se dire que nous les Congolais ont été arrêtés dans Moussa Lassali. Et tu habites dans la famille, tu as organisé les obsèques. Ceux qui peuvent être égoïstes, ceux qui peuvent être égoïstes, tu as été la famille. Et si tu as été matanga, tu as témoigné de mon avis sur votre avis avec Honoré Ngwanda Zambongo, donc mon amboka. Merci beaucoup. Merci. Tu sais que ma casse, tu as été organisé le salami. Tu as été pensé à décerner le mérite civil. Et tu as été vu sur la génération de Zoma. Pour ça, le courage et ça là davantage pour te mériter payant. Ok, en fait Nayena non qualité à Moussali en Zambé. Il est le grand frère ya moko ya ba pasteur dans une communauté moko et ça là qui a zappé grand frère na biso directement yango to ya qui pour na to partager ma wana famille kanga et bungi si grand frère na ba. Bon, Kofanda Naye Boui n'a juste un Kofanda Naye été, mais il y a quelqu'un, son petit frère, qui est Azamoto, a expliqué à grand frère Naye Ngazala qui le voit pleurer son grand frère, je cite le docteur Pascal Kanga, donc le voit pleurer son grand frère, et Zola, c'est que grand frère Wana, il a fait quelque chose de bon dans leur vie. Et puis, esprit ouvert, Wanese est solo parce que Bango Nyon, so baza, bato, baza, coincé, t'es un esprit. Mais Bango Nyon, so la famille tout entière, et ça, baza vraiment ouvert des pensées. Et baza, bato, 4000 récords quand on a bangoté. Baza, la libre pensée, bah, et puis, voilà, en fait, ça. Merci. Merci beaucoup. Salut, Tobalo. Tu bungis ici, Baobani, Bazoloba. Nazana maloba mingi te akoloba vraiment esa perte munene na evite nzamba kosunga grand équateur tozwa mutu moko na bwanya na mayene lokwa toma lokumu nazana elikia nazana espoir
tango za lakina kuma lokondo qualité ni ngo eba kina e ezai belé ezai belé compétence intelligence sagesse bravoure détermination maramions naiba pe mo mke pa na e détermination so simbelo okena ngoti na suka et là on a tiré pa na yango la détermination ayi mo na bali so simbelo okena ngoti na suka et ça malamu ezala mabe kene na ngoti na suka ni elo kona zo pa na e belé bazai ko lobaki mo na mboka ngoti malo ko za ki ouvert d'esprit makas nzamba sala ndenge mosu bwanya ya full mayele ya kulubati ngana zo regreté parce que ake mobesu azana no me ake mobesu to bazo susu no ha mbi susu za ngola to bak baza ebele na equateur baza ebele na kasi Thomas Lokondo mususa robino a useko.